Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup là on va être beaucoup plus concret et on va apprendre comment mettre en place un lead magnet sur votre site internet. Un lead magnet, c'est un contenu à haute valeur ajoutée que vous allez mettre en avant sur votre site internet et que vos visiteurs pourront récupérer en échangeant leurs coordonnées, c'est-à-dire un email, un numéro de téléphone ou d'autres autres informations qui vous seraient utiles d'avoir pour développer votre activité. Finalement, c'est un échange. Vous leur offrez du contenu gratuitement et eux vous donnent leurs coordonnées. Avant de partir sur qu'est-ce qui se passe dans la machine pour créer un lead magnet, quelques idées de ce que vous pourriez créer en termes de contenu. Ça pourrait être un guide, par exemple, développer votre marque employeur grâce à des outils juridiques. Ça peut être un guide sur comment créer une société de pas à pas, comment ne pas se faire attraper par la CNIL. Pour avoir un lead magnet qui marche, dans tous les cas, il faut donner beaucoup de valeur ajoutée à ce contenu. Plus vous allez demander des informations personnelles à vos visiteurs, moins ils seront susceptibles de vous les donner. C'est pour ça que votre lead magnet, il doit avoir une forte valeur ajoutée. Par exemple, chez Urama, on a un lead magnet qui s'appelle guide site internet, comment créer un site internet. Et effectivement, à l'intérieur, vous avez un document d'une vingtaine de pages qui accompagne les avocats à créer un site internet. La première chose à faire avec un lead magnet, c'est de le créer. Pour ça, je vous invite à utiliser des outils comme Canva ou comme vous pouvez voir ici, vous avez une barre de recherche et vous pouvez tout simplement trouver des templates qui vont être adaptés à la création d'un lead magnet. Ensuite, vous trouvez un template qui est relativement facile à prendre en main et derrière, vous modifiez les informations. Par exemple ici, on a trouvé un storyboard, mais ça pourrait très bien être le guide de la marque employeur. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez une vingtaine de pages différentes que vous allez pouvoir utiliser et modifier comme bon vous semble. Une fois que vous l'avez terminé, vous n'avez plus qu'à aller sur partager et à le télécharger dans un format par exemple PDF. Ça marchera très bien, il sera facilement utilisable par vos prospects. Donc là ici, c'est pas une vidéo sur la création du lead magnet, on passe très vite parce que l'idée c'est de comment on le met en place sur votre site internet et comment on automatise les processus pour vous faire gagner du temps sur la gestion de ce document. Ensuite, un lead magnet, c'est finalement la récupération des données, c'est le plus important. Pour ça, vous avez plein d'outils pour récupérer les données et faciliter les choses. Ça s'appelle en fait des formulaires et vous avez des outils comme Typeform ou Tally qui vous permettent de créer des petits formulaires facilement où vous allez pouvoir récupérer ces données-là. Moi, à titre personnel, j'utilise Tally déjà parce que au début, c'est moins cher. Il permet de récupérer beaucoup plus de données gratuitement. Typeform a tendance à enfermer le prospect dans son workflow, dans le questionnaire, alors que Tally offre un petit peu plus de liberté à mon sens, où vous pouvez créer plusieurs pages, vous pouvez créer des questionnaires ouverts. Et moi personnellement, lorsque je remplis un questionnaire, j'aime bien savoir quand je vais le terminer et donc je préfère Tally. Donc une fois que vous avez créé un compte sur Tally, vous allez créer votre premier formulaire. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme une page Notion vous n'avez plus qu'à la remplir petit à petit. Et voilà, et ici, vous allez insérer vos questions en ajoutant des tables ici. Donc là, moi ce que je vous invite à faire, c'est de demander le moins d'informations possible. Plus vous allez demander de l'information, moins les gens sont susceptibles de vous donner les réponses. Moi, à titre personnel, je travaille avec des avocats. Donc ce qui m'intéresse, c'est de savoir le nom et le prénom de la personne, d'avoir son adresse email pour la contacter par la suite et lui envoyer le guide, avoir son numéro de téléphone, parce que moi j'aime bien appeler les gens, savoir ce qu'ils ont pensé du guide et ensuite pourquoi pas mettre en place un rendez-vous avec eux pour la création de leur site internet. Et enfin, j'aime bien savoir si ce sont des avocats associés, collaborateurs ou si ce sont, ils font partie de l'équipe marketing d'un cabinet. C'est important dans la manière où je vais les démarcher, sachant qu'en règle générale, j'envoie mettre à tous mes prospects et si je vois que cette personne est en charge du marketing, ça va moins bien passer. Si vous n'avez pas besoin de numéro de téléphone, ne le mettez pas, c'est quelque chose qui est engageant et parfois peut bloquer certaines personnes. Si ça fait partie de vos stratégies, néanmoins, je vous invite à le mettre. Et enfin, si ça vous intéresse, vous pouvez mettre plein d'autres choses et notamment des paiements. Je fais un petit aparté. Vous n'avez pas de solution pour faire payer, par exemple, vos prestations et vos honoraires, par exemple, dans un appel de découverte payant. Et vous pouvez ici proposer le paiement. Enfin, n'oubliez pas de rajouter une petite option où vous allez dire, vous connaissez ça mieux que moi, les mentions légales. Et, en gros, ici, on va utiliser vos données et vous harceler. Bon, j'imagine bien qu'il ne faut pas mettre ça. Dites ce que vous allez faire de ces données et dites que vous allez utiliser pour le développement de votre activité. Vous pouvez bien entendu personnaliser un petit peu, ajouter une cover, ajouter votre logo. Ça vous permet de respecter par exemple la charte de votre cabinet si vous en avez une. Et puis tout simplement de rendre la chose un petit peu plus sympa et pousser les personnes à vous contacter. Pour autant, c'est un détail, concentrez-vous sur la création de ce formulaire avant tout. Donc maintenant, mon formulaire est prêt, je le publie et donc je vais avoir de quoi le partager. Ici, vous avez le lien. Vous pouvez aussi, si vous avez de quoi l'intégrer dans un site internet, l'embed directement sur un site internet. Vous allez donc avoir un code embed que vous n'avez plus qu'à coller. Et en règle générale, si vous utilisez un WordPress ou un Webflow, il suffit d'ajouter une section embed et de l'ajouter à l'intérieur.
et derrière, il sera intégré directement dans votre site internet. Ça vous permet d'éviter de faire sortir les gens de votre site internet. Pareil, Tally propose un paquet d'intégration. C'est un outil qui est connecté avec plein d'autres. Si vous utilisez par exemple Slack, Notion, ça vous permet de récupérer les données, faciliter par exemple le traitement de ces données. Nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'automatiser la gestion de ce formulaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un le remplit, vous n'ayez pas à aller chercher dans son adresse mail, lui écrire un mail et lui envoyer avec le document que vous souhaitez partager. Donc, on va utiliser un outil qui s'appelle Make, qui est en fait un outil d'automatisation et qui va connecter Tally avec votre adresse mail et pourquoi pas ensuite votre CRM. Alors Make est gratuit jusqu'à, je crois, 300 automatisations, donc ça vous donne quand même largement le temps avant de devoir payer et vous avez le droit à deux scénarios possibles. Donc c'est un petit peu gamifié, vous allez voir, il suffit de connecter les outils entre eux, ça se fait très bien. Donc on a récupéré des données sur Tally, ça commence par là, on appelle le trigger. Alors là, ce qu'on va dire à Make, tout simplement, c'est analyse qu'on a connecté sur Tally. Donc je vais connecter mon Tally et je vais lui donner mon guide ne pas se faire licencier. Donc là, il a capté le guide. Maintenant, il va falloir collecter les réponses. On va ajouter un nouveau module qui est donc Gmail, parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'une fois qu'il a reçu les réponses, il envoie automatiquement un mail à notre prospect. Send an email. Et donc là, il a compris et il propose les champs qui ont été remplis sur Tally. On met l'adresse email de la personne qui a été collectée. Ensuite, on met un sujet. Tout simplement, là, on écrit un mail de base. Merci pour votre téléchargement. Ensuite, on va écrire le contenu du mail. Alors ici, attention, il nous propose d'utiliser de l'HTML. Alors vous n'allez pas forcément savoir écrire en HTML. Ce que je vous invite à faire, c'est vous allez sur un outil qui est text-to-HTML. Et en fait, ça va tout simplement convertir votre texte en texte HTML. Et en fait, vous écrivez votre mail, bonjour, nanana, merci d'avoir téléchargé notre guide, c'est important pour nous de faire confiance, blablabla. Et il va vous le convertir. Et là, comme vous pouvez voir, vous avez le contenu du mail en HTML que vous allez pouvoir copier et intégrer dans votre contenu. Comme ça, le mail que vous allez envoyer, il sera nickel et les gens recevront un mail un petit peu plus construit que simplement un gros bloc qui peut parfois un petit peu faire peur. À l'intérieur de ce mail, il va falloir mettre votre contenu. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser votre site internet, l'insérer votre contenu dans les médias et de récupérer le lien de ce contenu pour l'insérer dans votre email. Je vous montre ça. Je vais dans mes contenus de mes sites. J'ai mon guide ici que je vais mettre dans mes assets et je vais récupérer le lien de ce guide. Je vais l'ajouter dans mon HTML. Je vais ajouter mon contenu dans mon email et voici, je copie. Vous mettez tout simplement votre lien vers le contenu et votre prospect aura accès à ce dernier. Donc voilà, j'ai mon mail qui est prêt, ma connexion avec Gmail qui est fait. Et là déjà, quand quelqu'un va remplir votre formulaire, il va recevoir automatiquement un email avec la pièce jointe à l'intérieur. Donc là, vous venez de gagner du temps. Maintenant, ces réponses-là, si vous avez un CRM qui est connu, qui permet ce type d'intégration, et c'est le cas pour nous chez Orama, directement intégrer les réponses à l'intérieur. En l'occurrence, nous, on utilise Pipedrive en créant une personne et intégrer les réponses de mon formulaire. Et ensuite, je mets le mail ainsi que le numéro de téléphone de la personne. Je vais faire un test avec mes anciennes données. En l'occurrence, je l'ai rempli une fois en amont pour faire le test. Donc maintenant, je vais utiliser mes anciennes données. Il va comprendre. J'ai mes anciennes données, j'envoie, l'email a été lancé et une personne a été créée sur mon Pipedrive. Donc c'est nickel, mon automatisation fonctionne. Et donc maintenant, je ne vais pas perdre de temps. Je vais pouvoir diffuser mon lead magnet. Je vais pouvoir le mettre sur mon site internet à des endroits. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment je mets ce lead magnet un petit peu partout. Là, on se retrouve maintenant dans la diffusion de ce lead magnet. Donc on se retrouve sur mon blog en l'occurrence. Je vous invite à le publier sur vos réseaux sociaux. Je vous invite à le mettre à des endroits comme votre compte LinkedIn ou ce genre de choses. Moi, comme vous pouvez le voir sur mon compte personnel, j'ai mis ma newsletter sur LinkedIn en premier lieu. Après, vous allez le mettre un peu partout sur votre site internet. Vous avez fait un guide sur la protection des données, vous avez fait un guide sur comment prévoir son licenciement, une checklist, peu importe. L'idée, c'est de le mettre dans des endroits où il y aura une cohérence. Donc moi, en l'occurrence, quand faut-il créer un site internet pour son cabinet d'avocat, ce que j'ai fait, c'est qu'à la fin, vous voyez télécharger notre guide site internet. Et en fait, tout simplement, quand vous allez sur mon site internet et vous cliquez sur ce bouton, vous tombez sur le Tally, en l'occurrence, l'endroit où j'ai posé mon formulaire. Petit aparté, si vous voulez savoir d'où viennent les personnes qui remplissent votre Tally, petit bonus que j'ajoute, vous pouvez ajouter ce qu'on appelle un hidden field, ce qui, là en l'occurrence, me permettra de connaître la source des endroits où les gens ont téléchargé. Ça me permet de savoir un petit peu ce qui fonctionne, est-ce qu'un post LinkedIn me ramène, est-ce que ma pop-up m'apporte par exemple de la clientèle, etc. Quand je vais sur ma newsletter, je peux voir ici les sources d'où viennent mes prospects. Vous pouvez le voir, signature d'email, pop-up, je voulais savoir si elle fonctionnait et donc elle fonctionne. Vous mettez donc source sur vos hidden field et à la fin de vos liens, vous ajoutez ensuite un point d'interrogation avec écrit source égale et vous mettez la source LinkedIn, pop-up, signature de mail, comme moi je l'ai fait, ça vous permettra d'avoir de l'info. Si vous prenez ce réflexe-là, au bout d'un moment, vous saurez ce qui fonctionne. Vous avez toutes les clés pour faire la même chose et automatiser la gestion de vos lead magnets. Ça ne prend pas énormément de temps à mettre en place et ça vous fera gagner de nombreuses heures si votre contenu cartonne. Ça permet simplement de faire plus pro et de faciliter votre gestion de données. Bon, en l'occurrence,
ça m'a évité 150 mails. Si je prends 10 minutes par mail, vous faites le calcul. Si ça vous intéresse, la prochaine fois, nous parlerons de la création des guides, comment s'y prendre, comment utiliser Canva, comment faire un design qui soit attractif et comment diffuser ces guides-là. Si vous avez la moindre question ou vous voulez mettre en place ça dans votre cabinet, j'aurai grand plaisir à vous accompagner sur le sujet. Bon courage pour ceux qui veulent mettre ça en place.